Histoire, notre propre dramaturgie. Bien sûr, on s'est référé, ces auteurs ont été des références. Chaplin aussi nous a beaucoup inspiré pour créer ce spectacle. Donc, c'était aussi pour nous-mêmes, créer notre propre écriture. Et au-delà d'une écriture sur le papier, c'est une écriture du plateau. On a créé tous ensemble un code gestuel, puisque vous avez parlé de masque. On s'est rencontrés tous à l'école grâce au masque. C'est le masque qui nous a réunis. Une envie commune de défendre cet accessoire, cet outil. Et voilà, et le masque impose un langage gestuel que nous aussi on a créé grâce au tréteau qui demande un vocabulaire précis sur le plateau. Je ne vous cache pas que je suis un peu déçu du résultat final.
aviez quelque amitié avec le précédent. Nous avions quelques amis communs. Eric, Liliane, pour ne citer que. J'en ai marre de pas trouver de boulot. Y a rien pour moi là-dedans. Annonce des entreprises de venin, annonce des entreprises de venin, y a que ça. Mais à chaque fois, c'est que des boulots auxquels je connais que dalle. Ingénieur en micro-informatique, bah, expert comptable, médecin nucléaire, bah, y a rien qui me correspond. Sophie! Quoi encore? Si tu touches à mon mascara, je te pute! Arrête de me commander! Oh! On cherche un plombier! Oh non! Faut aller vivre en Pologne! Le maire de notre belle ville, dévoué serviteur du peuple et du bon goût, a le plaisir de vous annoncer le mariage de son neveu, Rémi Formol, avec la délicieuse Victoire de Venin, fille unique et héritière de Charles de Venin des entreprises de Venin. Ce mariage a l'air d'arranger tout le monde. Et moi, je suis si malheureuse. Rémi, qu'adviendra-t-il de notre amour? Je suis au printemps de ma vie. Dans mon cœur de gros nuages ont assombri mon beau Rémi, et je sens que gronde un orage. Je suis au printemps de ma vie, dans les collines et chants les rires qui accompagnent mon beau Rémi, me semble loin d'un souvenir. Saluez Victoire, saluez. Victoire, saluez! Montez, Victoire, montez! N'est-elle pas merveilleuse? Vous allez arrêter, vous, ça suffit avec vos confettis, hein? Alors, la rencontre, les rencontres qui ont composé ce spectacle la dernière fois, c'est le Conservatoire National. On a tous, soit comme élève, soit par exemple comme Alexandre, en tant qu'assistant de professeur, étudier les codes du masque avec Mario Gonzalez et Christophe Patti au Conservatoire. Et il y a aussi le théâtre au Malandro, puisque à la sortie de ces écoles, on a pu rencontrer des metteurs en scène qui nous ont embauchés, qui utilisaient aussi ce code du masque, dont Omar Porras, qui a été aussi un des maîtres et de nos référents de notre travail. Un jour, en allant sur la colline,
les convives? Où est monsieur de Venino? Où est sa fille? Où est monsieur le maire? Hola! Hola! Je suis le cardinal Alberto Ricardo Sanctifico et Magnificat de la Crucifixion. On allait vraiment dans toutes les places du village de la Bourgogne et ces gens en général, on n'avait jamais vu presque de théâtre en général, on allait vraiment vers le public, contrairement à un système classique, c'est le public qui va vers le théâtre et là c'est nous qui allions vers... Et la Bourgogne nous a permis cette liberté-là, du coup, pour... voilà, avec les villages, avec le paysage, enfin, tout était fait pour que pour les tréteaux, pour le théâtre de rue. Et ça nous a vraiment permis d'expérimenter, comme tu as dit, notre théâtre. Sans Dieu, sans maître et sans serment. Sans Dieu, sans maître et sans serment. Regardez voler ces troublions, emmenés par le vent, les voilà libres par centaines. Ils nous reviendront par millions. Sans Dieu, sans maître et sans serment. Sans Dieu, sans maître et sans serment.